Bonjour d'abord tous ceux qui nous suivent, les internautes, tous les téléspectateurs, tous ceux qui aiment suivre chez nos magazines, tous ceux qui suivent, voici l'homme, que Dieu vous bénisse. D'abord, si on doit parler du JBB, d'abord JBB veut dire groupe d'intercession Babuki Bikeko et Utiwapi. Et Botamindengenin, vision en tout pensée wana. Je crois JBB Botama avant RTVH. L'ère pasteur François Mutombo a bandi Makambu Yakoule Kanamédia. Je crois chaîne Nabissou Alibosoto Bandela qui RTAE. Il y a général Sonika Fotorukmen que je salue. Ne place Bandela qui émission Nabissou. Mon nom, d'abord, c'est Pasteur François Mutombo, tout court. Et l'émission, l'intitulé de l'émission était Émission Voici l'homme. Vous voyez, quand nous prêchons à la télé, maintenant, l'intitulé, c'est en bas là, de l'écran, on dit Émission Voici l'homme. Et tellement que, par la grâce de Dieu, ils ont qu'en plaire. Ah, voici l'homme est bandit. Voici l'homme est bandit. C'est comme ça que moi-même, d'abord, j'ai été surnommé. Voici l'homme. Donc, présentateur de l'émission Voici l'homme. Alors, on m'a collé casquette, on est à Voici l'homme. Mais, on a commis Voici l'homme. Et aussi dans l'émission. On évolue. Tellement que ma thèse est aussi Mbabatou. Ils ont dit que là-bas, qu'est-ce que c'est? Tu es au comme dans Moukanda, dans l'acte des apôtres. Oyo, l'air Pierre a été, tu es un homme frère. Nous avons dit, maintenant, que ferons-nous? Alors, maintenant, on est aux ongles. Papa, vous avez un thème de délivrance, vous avez un thème de famille, vous avez un thème de réclamation. Maintenant, vous avez besoin de qu'est-ce que c'est? Nous avons nos églises. Maintenant, tout le monde, on ne saura pas. Si vous avez un thème de délivrance, est-ce que vous avez un cadre de mon côté? Il y a que tout le monde, des fois, on se retrouve, vous avez un thème de réponse. C'est comme ça que, pensez-y, tout ça, quand même, groupe Moko, où tout le monde, de temps en temps, qu'on s'en est battu, on se battu, on se battu, on et de la basse ensemble et de la bataille d'engagement de l'église moussous mais bah y a parce que tout le monde dans un peu les gars comme on a rembellé mais alors groupe à l'égo existait des gagnants tu es au courant à Moukanda à juge un jour j'ai prêché un dimanche juge chapitre 6 à partir du 25e verset l'éternel parla à Gédéon pendant la nuit lève-toi prends les jeunes taureaux de ton père un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et tu bâtiras ensuite sur le sommet du même rocher un autel à l'Éternel. Donc, tu ôtes maintenant sur le renversement des autels. Et Bible les hommes que Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, mais il est allé exécuter cet ordre de l'Éternel pendant la nuit, car il craignait les gens de la ville. D'abord, il n'est pas parti seul. Dieu lui a parlé seul, mais il a pris un groupe de 10 personnes. Et il a fait ça pendant la nuit parce qu'il craignait. Vous savez, quand on touche au sacré de la famille, quand on touche aux divinités de la famille, vous devez vous attendre à des retours. Parce que même lui, Gédéon, avait eu des retours. Qui a fait ça? Qui a renversé l'autel de Baal? Il a trouvé que c'était Gédéon, fils de Joas. Oh, bah, quitter le papa, on livre ton fils, tout lapidé, papa, oh. Mais si Baal est Dieu, que lui-même plaide, pourquoi il n'a pas commis au bout de la place, il y a Baal. Donc on a compris que Gédéon n'avait pas agi seul, il avait associé des gens. Donc pour renverser les autels des familles, pour s'attaquer au sacré de la famille, il faut être en groupe. Pourquoi Gédéon renversait un autel? Il pouvait le faire seul, mais pourquoi il a associé des gens? Pour dire que un rassemblement. D'abord, un. De deux, tu es ôté à Moukolomoussous, n'a Esther. Dans mon cas, Esther, complot Okweya, en Boka de Babylone, contre tous les Juifs, se trouvant à Babylone, Nanazala qui commanditaire Nango, Aman, le bras droit au roi. Comme lui, tellement qu'il aimait la gloire, chaque fois quand il passait, tout le monde devait se prosterner devant lui. Mais Mardoché, qui était sentinelle à la porte du roi, juif qu'il était, avec la loi de Dieu, lui ne peut pas s'agenouiller devant un humain. Comment ne faut-il pas mettre le mouton à Mardoché se posait.
pour Naman, pour Aman, non, à Sakanena Bissot. Nda s'est renseigné pourquoi ce monsieur-là, lui, ne s'agenouille pas quand je passe. Oh, parce qu'il est juif. Ah bon? Bah, on va pas faire un amour, il faut au Satan. À côté du roi, va créer Nini Moko. Il faut pas massacrer tous les juifs. Dans la capitale suisse, à Babylone, dans la Tangwan. L'air, il y a un sangani, mais de chaque jour, il y a sérieux. Nous avons quand même, moi, nous avons beaucoup de gens qui ont été, nous avons été, nous avons été, nous avons été, Ake utana na Esther. Esther, tala makambuzali yao. Onva no masakre. Ilele makulande biografia mtu nyonsu. Meme yo ren, makutuwe oza juif. So ilua wana ba exekitamu. Meme tu ativa parti. Fe quelque chose. Esther na tuwe, oui, c'est sérieux. Il faut na telem. Me oko telem andenge nini. Mibeku ya ba Perse na ba Medes. Ezolo ba ke ato za mwasi ya roi. Oko koma place roi azate. Roi anakuru na ye. Rena azo wanda ote msusu. Po kende pa uruwa ufwa uruwa ndia benga yu. Uko kende yu muote. Mibe wande za kira mforse nani. Taboru enwa azana basie bele. Ande uri ya rena. Uruwa azale kina bakonkibine juruwa. Don. Yu mwasi anda uko kende. Suko sirplandre ye. Na makangu msusu. Uzalubijia usale zu. Alo uguimilie uruwa. Eku kire skandal. Po yu ya ifo ya benga yu. Wana seka yebi. Nazaji sponipi. Tout comme on a dit, on a réunion. Ça, c'est un renforcement. Il y a rien à quoi il y a ce qu'on a dit. Tu peux faire 6 mois. À ce qu'il y a au couvent. Ou soit il y a pas de temps, soit il y a un petit peu de temps. Maintenant, la loi est dit, le royaume est publié, il va courir vers. Donc, ça fait 30 jours que je n'ai pas été invité chez le roi. Il y a un peu de temps. Dans peu de jours. Nous avons dit qu'il faut que nous ayons un roi. Esther a dit Mardoché que nous avons un peu de temps dans la capitale pour ça les gêne. Moi aussi, avec mes servantes, je vais gêner. Après quoi, je vais affronter. Je n'ai pas un roi, je vais briser mon bébé. Si je dois périr, je vais périr. Mais l'essentiel, je vais oser. Aujourd'hui, je vais dire qu'il y a une loi. Il dit à Mardoché va rassembler les juifs. Moi aussi avec mes servantes. Et c'est bien le homme qui a bondi à monter mon isolé. Tous au coup. Les rabakeyi, bah gêné 3 jours à sec et pas gêné. 3e jour de style, là tu as bongami affronté à qui n'a couru du roi. Nous avons dit dans la loi, ceux qui au côté n'a yo moko, nous avons mal au trouver au roi ça disponible, à ça occupé. Parce que moni yo, à tomber les lingen, soit à tomber les natalo à boire besicara, sur place, bah bécho massas. À tous les il faut tomber le lingen de vous a sauvé. Maintenant, je n'ai pas de salam inin. Nous avons disposé de nous. Nous avons été occupés. Personne n'a pas de salam. Nous avons été si maman. À tomber le lingen. Tel est la chaîne. Nous avons resté dans une côte pour trouver que le roi est disponible. Nous avons été au roi. Nous avons été au roi. Esther a été. Nous avons été au roi. 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 Dera yami este nin. Oh no, nazana posaka samedi oye ulie panang. Este. Usozo risque ya okufa kapona albi antuka posano makasi. Samedi na ulamba oye epananga. Koya yo mu ote yakana batu no news. Samedi wa bonga akia kuti mesa. Ameme na tre tre ya ba juif. Aman. Ba ye ba lie ba meli na sukuru atunie. Lobali kambo bengi. Oh no. En tout cas, les lotés, il y a samedi prochain. Il y a sous. Il y a un lamba sous. Il y a un bon qui est là. Samedi prochain, il y a un sous avec les traites. Il y a un lien, il y a un lien. Abi, sa majesté, comment pouvez-vous permettre que Babou Mamoua s'il y a eu? Babou Mamoua s'il y a eu. Mais, mon bébé, il y a publié. Il y a un massacre à la juif. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de mouyoud. Ce que mon bébé, il y a eu qui s'en. C'est que même moi, il ne faut pas massacrer. Comment est-ce que c'est le monde? A même moi, tu as salé. Quand on a le droit, c'est lui qui ne nous aime pas. L'État, Zolo, Bobon, Gouroua, fâché. Mais comment tu peux me faire signer une telle histoire? Gouroua, traître à Télémi, à qui est au bon de l'Esther, à Kangena, à Makoulou, c'est aux autres, au Tobo, Mayen, à Missounangaï. Le Kangena, au Posalé, ma bé. Kanda, Roua, Yessoumakas. Après, Gouroua, Vanja, Yves, Esther. Comme déjà cette loi a été promulguée, publiée,
qu'on ne peut plus la révoquer. Mais il y a des lois immuables. On ne les révise pas, on ne les révoque pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut rester? Ah, déjà, le Cambossé Salem. On va faire ceci. Je vais signer une deuxième loi parallèle. Et cette loi va donner aussi pouvoir à tous les Juifs, au Bazan, la capitale, de se défendre ces jours-là. Alors, le col à Tonanga, Bazaï, Bélé, Bakoya, Boyokan, Bozala, isolé. Jourouane, Bino, Nyon, Sposer, au peuple à Samo. Vous même pas Mindouk, vous même pas Machette, vous même pas Flèche. Les Babyloniens, vous ne pouvez pas massacrer Bino, Bino peut se défendre. Vous bêta, vous bêta, vous bêta, alors, ce qui est long, vous en avez sauvé. Ce qui est long, c'est votre problème. Alors, quant à vous, vous êtes préparé par conséquence. Le roi a signé, il a publié son mot. Jour où il y a massacre, le roi a autorisé les Juifs à se défendre. Déjà, les Colombo, il faut tout renforcer parce que le peut se défendre. Il y a un Juif qui a été mouqué. Mais et pas na bango bazana faveur ensemble bino bo olombo atoboza ebele mais ba jufo keba nzamba kokote na bango nzamba kitsa ba ange jourwa nzambe asala na travers mutu so mutu te jet esprit au defane il faut mutu te nzamba otina kati c'est comme ça que jourwa na lere ba kolombo abazwe ba massacrer ba yuda ba kutiba yuda nyonso ba serenite na stade net na stade de martyrs ba nyonso bazawa na mindu ba ba zoe ba pe ba ta bitumba soka mu yuda bwa i flesh ba to mbu ba ko i sen a beti ni sa smoke ba to mbu ba ko fisa nganda malomo to mo to eh o force nino ba to mbu ba kimi mu yuda to mu okufite ba to mbu ande bi bembe la le la ko kima wana ba ke ba tam ti minuit mu be ko eleki lo bi na tongo ba yuda ba zongi libre de to o lo ba bu mi be ko ya ba pesa na ba medes. C'est des lois immuables. Des lois qu'on ne peut pas révoquer. Et l'ingé olobani. Les lois to botami na ba famille. Bisote on y mêle en kolo. To omi ba juif. To zane to vani na mabele à 100 ans. Mboka mupai. Parce que Yeshua dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est que bisote on y ba Yuda na Babylone. Ce qu'on ba kolo mabele. Ba mabota, ba koko na biso. Ba papa kulutu ba enceinte na biso bazala ba mibe ona bango o yeza imiwable c'est-à-dire basi basala ba satisfaire ba bango basi ba kufa yo mwana mukio ke ben bandela wapi o changer mibe ko ya bayomi o bandela wapi o changer kintwi uko bandela wapi o changer chipa ya ya balup o ke o changer o chibinji na balup toke za ya des choses uko bandela wapi yo mwana mukio alors que faire. Nous avons un peu de droit à se défendre face à toutes les lois de nos familles. Mais pour nous, Kolonga, Esther a initié. Nous avons la place. Nous avons attaqué, vous êtes en groupe. C'est pourquoi tu comprends que pour nous, au bout de la famille, il faut que en groupe. Nous avons dit que la famille est là. Écoutez que le pasteur François a dit Pierre était gardé dans la prison. Hérode a signé. Après Pâques, on juge Pierre, on l'exécute. Église de comprendre, ah, système agit bébé. Bible dit que l'église est sérénir. Dans le Pangomoko, la Bible dit que l'église ne cesse d'adresser pour lui des prières. Quand on dit l'église, c'est un ensemble. On n'a pas dit la femme de Pierre ne cesse. On n'a pas dit la famille, mais l'église. L'église, c'est un corps. C'est-à-dire, va sérénir, va pas dire qu'on prie. Nous allons intervenir, de Pierre habite. Bah, comprendre, ah, ce qui n'attend pas, j'ai appelé tout ça là, aboy. Jacques n'allait pas mourir. Dans la ligne, il s'en est dit, il s'en est perdre Jacques, tu n'as pas perdre Pierre, tu n'as pas Pierre. Dans la famille, on a beaucoup fait le mot de Moutoui, n'est Jacques. Mais à quoi fait-on, Nani? Tu as regroupé tes JBB. Tu défends d'une manière isolée. Ce qu'il faut, tu comptes en alliance à JBB, tu as réuni, tu construis un corps. Avec nos prières d'ensemble maintenant, tu as sauvé Pierre. Yonde ozolanda oza Pierre, il faut te sauver yo. Mais pour sauver Pierre, il faut groupe. J'ai demandé à Zokibat. Quand bien même Dieu lui a parlé, Dieu lui a mis la Bible parce que Zoki 10 personnes. Yakapeto sangan, pasteur, yakapeto sangan. Tu connais une chose. Pasteur François
azoti attaque mo on a 2021 vraiment une attaque mortelle combat mo tellement ou même il y avait des messages à Obikate mais j'ai été sauvé par le JBB, le monde entier a prié. Il y a eu un corps constitué partout, partout dans ma couvre. Ouais. C'est là et sauvé. C'est pour dire que ce qui va te bêler, va défendre au Kubik, que tu m'as dit, moko. Bref, les visions et JBB, c'est un rassemblement pour nous défendre contre toutes les lois, la sorcellerie, la magie, toutes les réclamations, toutes les condamnations de nos familles. Il faut les affronter tout en étant en groupe. Et pour la question, la vision, voici l'homme. C'est un ministère, c'est l'enseignement. C'est de la vision, voici l'homme. Nous avons toujours une révélation. Il y a aussi la famille Nabis. Ah, famille Nabis. Ah, pasteur François Fungula, ma famille. Ah, ma terre, pasteur, n'a comprendre même Bandot. Les noms, nous disons Bandot. Voici l'homme, nous ouvre l'esprit. JBB, c'est une armée maintenant. Pour l'exécution. Voilà. Mais quand il dit JBB, c'est une vision un peu élargie, naître. Donc, ça sort, n'a caché assez, assez. Okay. Et puis, on dirait, même quand je me sens à l'aise, parce qu'on a une campagne de prières, de prières, de délivrance, de prières, de défense, de prières, il y a vraiment agressives pour nous défendre Vinangai. Vous savez, il y a même des pasteurs, il y a même des grands hommes de Dieu qui nous suivent à la télé, à la radio. Il est à l'aise parce qu'il est caché. Si on lui avait demandé à au vendre dans la bande, de voir si le... Mais d'une manière cachée, il est là. Vous comprenez? Les gens aiment un peu garder l'anonymat. Maintenant, c'est toujours un agi bébé. Ils ont prié la jour, on a qu'un assisté. Donc, attendez un pasteur, attendez un vendre dans la bande. Côté, même quand les autres ont gâté. Amen, amen. Je me dis moins, la bénéficier grâce. D'abord, ça c'est 2-2. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus a enseigné dans une des synagogues un jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus, l'ayant vu, lui adressa la parole: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Il lui imposa les mains. Au même instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. La terminale. Jésus, l'ayant vu, lui adressa la parole. Une forte déclaration. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Je vous pose la question, vous qui me suivez. Après cette forte déclaration, pas d'un homme, pas d'un pasteur, mais de Jésus. La femme ne s'était pas redressée. Et pourtant, Jésus a déclaré, tu es délivré de cette infirmité. La femme n'est pas délivrée. Et pourtant, c'est Jésus qui a parlé. Mais pour qu'elle arrive à se redresser, Jésus s'approche et lui impose les mains. Au même instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Déclaration plus imposition des mains. Nous prions JBB. Nous faisons des déclarations à distance. Mais il faut qu'on arrive aussi au point où il lui imposa les mains. Le mystère du toucher. Ça va un peu de la même sens là, l'histoire de la femme de la perte du sang aussi. Et il a entendu parler de Jésus. Il était déjà touché, convaincu. Il avait la foi, mais il n'était pas guéri. Il fallait qu'il arrive à toucher. Le mystère du toucher. Ma rencontre à JBB crée l'approche. Même dans la foule, dans la masse, il pousse en paix. Même à travers mon offrande, voici le Tchanga Lobo. Il lui imposa les mains. Na Lobo Wana, système de famille Koui. Na Langi déjà matin, mais il faut pas Simbangai. Singa Seliba et Katan. Singa stérilité Katan. Touché. C'est pourquoi ce qui toque la doctrine, la saine doctrine, les points doctrinaux. Na Hébreux chapitre 6, au premier verset, on dit les renoncements aux œuvres mortes. Premier point de la saine doctrine, c'est dans votre église. On ne condamne pas le péché. On ne prêche plus la repentance. Vous êtes de la fausse doctrine. 2. La doctrine des baptêmes. Et un point de la sainte doctrine, il faut savoir comment se pratique le baptême chez vous. Et si c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, fausse doctrine.
Est-ce que c'est au nom de Jésus? Oui, une seule fois. Ou pas dans la piscine, dans la rivière qui coule. Sainte doctrine. Troisième point de la sainte doctrine, la doctrine de l'imposition des mains. Pour dire que si dans votre église, on n'impose pas les mains, on donne l'huile, l'eau, on vous lave, la fausse doctrine. Jésus a dit, à mon nom, vous imposerez les mains. Jésus nous a laissé une seule pratique, c'est l'imposition des mains. Et c'est un point de la doctrine. C'est fondamental. Par moment, qui que tu sois, il faut qu'on t'impose les mains. Je vous invite les cinq. Voici le moment, va vous imposer les mains. Et le système de famille va tomber.